Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur comment construire ce 4x4. Donc c'est un nouveau tuto véhicule. Donc on va tout de suite commencer. Donc je vais un peu enlever ça là, ce qui est sur la route là, la redstone. Et on va tout de suite commencer par mettre les roues qu'on espace donc à 5. Donc 1, 2, 3, bim, on met l'autre roue. Puis après on comble. Donc mes véhicules ont toujours 3 de largeur, hein, parce que ça rend beaucoup mieux. Hop. Donc là c'est de la... Donc vous pouvez lire, hein, c'est de l'argile grise. Donc quand je change de bloc, vous pouvez lire pour voir ce que c'est, si vous connaissez pas, mais... Là, c'est de l'argile grise pour les roues. Après j'ai essayé de faire... En argile noire. Donc tout le reste de la voiture, donc tout le reste du 4x4 pour que ça rende un peu plus classe. Hop, donc les vitres. Comme ceci, on laisse deux d'espace devant. Et après, on met les vitres. Donc on met trois rangées de vitres. Et on re-remplit avec donc notre argile noire. Donc après, on n'a plus besoin de quoi? On n'a plus besoin des vitres. Donc on va prendre les tapis noirs qu'on met tout au-dessus de la voiture. Voilà, pour l'instant on a ça. C'est pas super beau. Et donc c'est pour ça qu'on va déjà mettre tous les item frames. On va aussi mettre la roue de secours. Donc là, je mets qu'un feu. Mince. Je mets qu'un feu ici parce que je trouvais que si je les mettais en bas ici, là, ça rendait dégueulasse. Je préfère se faire, faire ça comme ça. Tac. Donc ça, c'est des disques, hein, pour ceux qui savent pas. Même s'ils sont un peu dégueulasses. Par contre, là, je me suis trompé. Là, on va mettre une vitre blanche. Pour les phares, par contre, ce serait bien. Voilà. Tout droit, c'est mieux. Après, on continue. Voilà, donc ici je me suis trompé aussi. Là, c'est vitre rouge pour les feux arrière. Après, on va poser la pancarte, donc la plaque d'immatriculation. Mettez votre pseudo. Donc après, on va voilà, mettre les panneaux. En fait, c'est histoire d'habiller la voiture. Si vous voulez, vous pouvez les enlever, mais je trouvais ça rendait mieux. Parce que sinon, elle fait un peu vide comme voiture s'il n'y a rien. Après, la petite trappe qui rend le truc un peu plus badass. Et puis, hop, on continue avec ces panneaux-là. Donc, à l'avant, je mets pas de plaque d'immatriculation avec le nom. Je trouve que ça sert à rien. Donc, voilà, le 4x4 est fini. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, je vais faire vite fait un petit tour histoire de vous montrer. Donc, vous pouvez télécharger cette map gigantesque et énorme sur mon blog. Avec le pack de textures aussi. Et donc sur ce, moi je vous dis salut tout le monde et rendez-vous sur mon blog ou mes autres vidéos tuto construction. Allez, à plus tout le monde.